Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des événements mystérieux filmés. Mais avant de commencer la vidéo, surtout n'hésitez pas à exploser la barre de likes. Je compte sur vous pour qu'on atteigne les 20 likes avant minuit. 20 likes c'est faisable, 20 likes c'est pas grand chose, je sais que vous pouvez le faire. Let's go. L'astronaute de Solway Firth. En 1964, un père a pris une photo de famille ordinaire de sa fille, Berg Marsh. Mais quand elle a été développée, quelqu'un de très étrange est apparu dans l'arrière-plan. Un astronaute. Le photographe, le pompier britannique Jim Templeton, a déclaré « J'ai pris trois photos de ma fille Elizabeth prenant une pose similaire et j'ai été choqué quand la photo du milieu est revenue de chez Kodak, car elle présentait ce qui semble être un astronaute dans l'arrière-plan. » Templeton était catégorique. Il n'a pas vu quelqu'un d'autre près de sa petite fille tandis qu'il prenait la photo et l'a réitéré jusqu'à sa mort en 2011. Kodak a analysé la photo et a confirmé qu'elle n'a pas été modifiée d'une quelconque manière. Mais certains experts pensent avoir une autre explication. Le professeur de journalisme, David Clark, a émis la théorie que l'homme de l'espace pourrait être en fait la forme surexposée de la femme de Templeton vue de derrière. La photo de la famille Cooper. La photo ci-dessus est l'une des plus terrifiantes dans son genre sur Internet. Mais ses origines sont incroyablement obscures. L'histoire rattachée à la photographie présente la famille des Cooper originaire du Texas, mais il n'y a pratiquement pas d'explication concernant le corps suspendu qui semble sortir tout droit du plafond. Alors que le corps balançant est probablement le résultat d'une superposition de deux images dans la même séquence d'un film, cela n'explique pas l'image glauque d'un homme, la tête à l'envers dans tous les cas. L'anomalie du rocher géophone. La photo AS17-135 20680 a été prise par Apollo 17 près du rocher Géophone. Mais l'image a été officiellement cataloguée comme étant vide. Cependant, si vous altérez la saturation et le contraste de l'image, la photo apparaît dissimuler une structure pyramidale sur la surface de la Lune. Le résultat est tellement brut qu'elle pourrait juste être l'imperfection d'un film qui a été surexposé. Mais certaines personnes sont catégoriques qu'il y a bien plus de choses qui ont été cachées au public. Le monstre marin de Hook Island. Le monstre marin de Hook Island a été photographié par la famille Le Serec en 1964 et c'est un des cas les plus mystérieux et cryptozoologiques depuis cette date. Il a été rapporté que la créature ressemblant à têtard géant mesure 25 mètres de long et alors que Le Serec pensait que c'était mort, le serpent marin a ouvert sa bouche édentée et s'est échappé en nageant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à exploser la barre de likes. Je compte sur vous pour qu'on atteigne les 20 likes avant minuit. 20 likes, c'est faisable. 20 likes, c'est pas grand-chose. Je sais que vous pouvez le faire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager, à commenter la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine.